Salut tout le monde, c'est Piotta pour Plane Pro and Gaming et on se retrouve aujourd'hui de nouveau sur FTL pour la septième partie, je crois, de notre petite série sur la nouvelle édition. Donc la dernière fois j'ai perdu au secteur 7, je crois. J'étais tout près du but. Donc là j'ai fait une partie solo. J'ai joué le Zoltan, le vaisseau Zoltan, type A. Et là je suis au huitième secteur, c'est-à-dire je suis au secteur du boss. Et je me suis dit que j'allais faire la toute dernière partie, le dernier secteur et le boss, avec vous. Ça peut vous intéresser. Et en plus, je vais faire en sorte de débloquer le B, puis ensuite d'essayer de débloquer le C. On va déjà faire ça. Donc, me voilà. Donc ça, c'est mon vaisseau. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je suis arrivé au secteur 8. Ou non, je vais passer au secteur 8, je suis au secteur 7. Donc j'avais choisi plutôt de... J'ai gardé le laser qu'on a au début, je crois. J'ai acheté le Flak 2 et j'ai aussi un double laser assez sympa. Donc je suis parti plutôt sur une compo qui... où mon objectif c'est de d'attendre que le Flak 2... que tout soit prêt. J'envoie le Flak 2 pour enlever la plupart du shield ennemi. Normalement, j'arrive à enlever 3 ou 4 shields facilement, puisque le Flak 2, ça envoie 7 projectiles. Après, avec le laser, j'attaque généralement les armes ennemies, l'arsenal ennemi. Et avec le beam, j'essaye de couper un peu tout. J'ai pris aussi level 2 cloaking, pour être invisible, c'est assez utile, surtout que j'ai quand même 20 secondes à attendre pour que tout soit chargé. Et j'ai pris Hacking level 3. Et Hacking, j'ai compris maintenant comment ça marchait. Je trouve que c'est assez OP. Et j'aime vraiment bien. Donc c'est vraiment encore un vaisseau assez original. J'ai mis 3 en porte. Parce que j'ai pas du tout de... Si je me fais attaquer, je peux pas vraiment me défendre. Donc la seule façon, c'est de les asphyxier. Et voilà, j'ai 3 shields. J'ai beaucoup d'esquive. Je suis à 42%. J'ai 2 en medbay, 2 en O2, et voilà. J'ai défense 1 et antipersonnel. Si vraiment il y a un gros problème, j'enverrai mon robot antipersonnel. Je vais fermer les portes. Et je propose qu'on y aille. On va passer au 8ème secteur, le dernier. Et on va essayer de se faire le boss. Par contre, je vous promets rien parce que le beam sur les boss, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Ok. Alors, où est-ce que la base est là? Nous, on est là. On n'a pas besoin d'aller voir de store, généralement. Je vais essayer de me faire quelques combats pour gagner encore un peu de fric. Genre celui-là. Donc, bien sûr, j'ai le Zoltan, donc j'ai un Zoltan Shield. C'est-à-dire que j'ai 5 points gratuits. Donc voyons voir, ils ont un missile en face. Je vais envoyer mon... Ah, mais ils ont un anti-drone. Je vais essayer de l'envoyer, mais je crois que l'anti-drone va le détruire. Ouais, voilà. Je peux pouvoir utiliser Hacking, du coup. On va déjà attendre que tout soit prêt. Ok, là je vais cloque. Et ok, j'ai réussi à hacker leur truc. Je sais pas comment, mais c'est passé. Donc là j'ai envoyé le flak pour... plutôt dans quel coin? Dans ce coin-là. Voilà, j'ai enlevé tout leur shield. J'ai envoyé mon laser ici et mon beam, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà, un peu de dégâts. Là, ils ont plus grand-chose. Pas besoin d'utiliser le hacking. Et on est reparti pour la même. Et voilà. Oui, donc j'ai quand même un arsenal qui en jette, hein. Il fait assez mal.
Je vais continuer. Je voulais vous montrer aussi. Donc ça c'est. Bon, j'ai 4 Zoltan. Donc là je suis à fond en weapons. Je suis à fond en évasion. En esquive. Et là je suis rien pour lui. Et lui c'est shield. Donc les boucliers. Et lui c'est notre pilote. Donc on est bon là. J'ai un reloader, donc 10% d'attente en moins pour les armes. Et j'ai gagné ça, je crois, je sais plus comment. Je suis Burst Laser 1. Je peux pas l'utiliser parce que ça utilise 2. Et comme vous pouvez le voir, je suis max. Je suis en max. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on a? Ce que j'aimerais faire aussi, donc c'est débloquer le type B. Et pour le débloquer, il faut que j'ai 29 power. Et je crois que j'y suis presque. Je suis à. Là, je suis à 1, 2. Je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 8, 23. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, mais il faut que je sois en réacteur, je crois, c'est ça? Faut que j'en achète encore deux. On va voir, on va continuer déjà, on verra si on achète après. Ok, je devrais pas avoir trop de problèmes pour celui-là. On va hacker leurs armes. Donc ça c'est un, comment ça s'appelle, un chargeur. Donc là je vais pouvoir hacker maintenant. Ça les fait bien chier. C'est parti. Tac et tac. Oh, les dommages. Ok, on va faire la même. Peux partir par là. Voilà. Ah, et là, je suis bien parti. À mon avis, si je fais pas de conneries, je peux gagner. Mais évidemment, il se peut que j'en fasse. Ok, facile aussi. Le seul problème, c'est qu'ils ont un téléporteur. Ça va les faire chier déjà. Ok, je vais hacker maintenant. Et on est parti. Tac, et je vais essayer de toucher leur téléporteur parce que j'ai pas envie de me. Prendre une téléportation. Ouais, non, je vais laisser tomber le téléporteur, je m'en fous. Ils ont qu'à venir. Voilà, ils ont pris cher. Oh, il va crever lui. C'est drôle. Oh merde, le con, j'ai laissé mon laser. Fuck. Ça, c'est fait. Oh là, je gagne tellement de fric. Aussi, pendant tout le run, j'étais avec. Comment ça s'appelle ce qui me permet d'avoir 10% de fric en plus. Donc, c'est pour ça que je suis bien riche. Je peux passer là. Parce qu'il va pas jump. Je peux passer là, puis là. Je peux acheter. Qu'est-ce que je vais acheter, franchement? Je pourrais acheter mon dernier shield. On va faire ça. Il n'y a rien d'autre qui me tente. Ok, comme d'hab, on va acquérir leur arsenal.
Fuck, j'aurais dû hacker avant. Ouais, non. Je vais faire ça. Oh là là, cette esquive. C'est parti. Et comme ça. Oh là là, mon dieu, tellement de dégâts. Par contre, pour le boss, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas sûr de pouvoir hacker facilement tout ça. Seulement, c'est quoi ça? Avec 34, je vais acheter un ici. Et voilà. J'ai eu le nouveau. J'ai le nouveau chip, généralement, du coup. Parce que j'en ai 2 sur 3. Je devrais avoir le Zoltan B. Ok. Je vais me TP à la base. Faut que je pense à garder 2 réacteurs pour mon défense. Pour mon drone de défense. Donc là, c'est où je vais le chercher. Où j'attends qu'il vienne. Je vais aller chercher, c'est parti pour le boss. Je sais pas du tout comment je vais faire. Déjà, premier truc, je vais mettre mon drone de défense, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai envoyé mon. Alors là, le truc quand même, c'est. À mon avis, je vais hacker leur. Je vais devoir tester le hack de leur bouclier. Ok, je vais utiliser. Oh les ans. Oh les salauds. Ils ont touché mon drone. Ok, voilà ce que je vais faire. J'aurais dû le faire avant. Merde. Tac. Tac. Non. Plutôt là. Et là. Oh, ils ont hacké mes drones en plus. Non. Pas cool. Ok, mais j'ai désactivé leur truc. Le seul problème, c'est que... Je vais envoyer lui ici. Parce que je vois pas... J'aime bien voir... leur truc... Ok, je suis à fond là, je suis à fond ici. Ok, donc lui il est pas mort, donc il va continuer de... Il va être chiant ça. Et j'ai plus qu'un drone, fuck, j'ai pas de drone du tout. Ça c'est pas cool du tout. Ok, je vais hacker direct leur truc. Réfléchissons. Ah, je vais tout envoyer sur ça du coup. Ah les salauds. J'ai trop attendu, du coup ils ont eu le cloaking. Ok, vous savez quoi, je vais y aller full dommage. Faudrait que je le tue lui, j'aime. Et ça c'est le problème du laser, putain. C'est pas génial sur ce chip. Ok, ça c'est fait. Au prochain, je vais hacker leur truc et ça va faire mal. Faut que je commence à hacker dès maintenant. Comme ça, ils vont plus avoir de shield. Oh, bon, je tire maintenant. Ça va être parfait. Tac, et je vais partir comme ça. Voilà, bon, ça c'est gagné. Le seul problème, c'est que j'ai pas fait gaffe que j'ai pas assez de drones.
C'est le seul problème. Je vais acheter ça comme ça, lui il peut revenir ici. Et avec 24, je vais acheter un ici. Pourquoi acheter un dans le piloting? C'est bien. Pour la simple et bonne raison que si on prend qu'un dommage ici, au moins il sera toujours opérationnel. Alors que si on laisse seulement un réacteur ici, s'il prend un dommage, ce sera, bon, ce sera off. Et si c'est off, on aura 0% d'évasion au lieu de 45%, ce qui peut faire très 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 mal. Donc c'est très important si on en a assez de le mettre. Ok, donc là ils ont plus cloaking, ça c'est cool. Je vais essayer de pas utiliser mon drone de défense, mais je vais essayer de. Ah, je peux pas hacker, je pense. Oh, il s'est fail, ça c'est cool pour moi. Je vais hacker tout de suite. Oh merde, le con, j'aurais dû mettre un drone de défense. Est-ce qu'ils vont m'attaquer avec des drones? Non, j'ai fait une connerie. Mais j'en ai plus du tout. Ah, mais c'est parce que hacking, c'est un drone. Non? Hacking, c'est un drone, j'ai pas fait gaffe. Que mon but là, ça va être de faire très mal vite. C'est-à-dire, je vais commencer par là. Là. Et je vais essayer de faire ça. Oh mon Dieu, tous ces miss. C'est chaud. On est reparti. Tac. Tac. Et tac. Ça va, on peut le faire, on peut le faire. Ok, ça devrait être bon. Oh, juste attends. Ah mon Dieu, c'était chaud. Ça aurait pu très mal finir. Parce que j'ai plus qu'un drone. Ça doit utiliser un drone, si j'ai bien compris. Mais ça me revient, c'est ça, après, à la fin? C'est pas très clair. Ou non, je viens de gagner un drone là. Tout le monde a sa place. Vous deux, toi, tu vas aller te soigner. Ok, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon drone pour. Ah, mais non, je suis trop con, je suis plus drone. Je peux pas me réparer. Ouais, bah là on s'en fout. Je vais rester comme ça. Eux deux, ils vont aller réparer ça au cas où. E4 même. Voilà, tout le monde a sa place. Et vous êtes prêts pour la dernière partie? Celle-là est assez chiante d'ailleurs. Lui, je vais pas le laisser ici parce que je vais le mettre ici. Parce qu'ils ont le mind control ici, s'ils prennent le contrôle de ces deux-là, ils vont s'entretuer, ce qui est assez con. Je réfléchis, est-ce que je mets un défense plutôt?
ou un hacking. Je vais déjà attendre un peu quand on va voir comment ça se passe. Ok, donc ils ont pris le contrôle de lui. Lui, il est arrivé là, je vais le faire. Parfait. J'espère que je vais reprendre le contrôle de lui rapidement là. Ça suffit. Faut que j'envoie mon hacking tout de suite. Après, ils font chier là. Putain, redonne-le-moi! C'est-à-dire combien de temps leur hacking, leur mind control? Vais le laisser là, lui. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal, généralement, pour eux. Ok. Je vais plutôt essayer de faire ça. Est en train de mourir ou pas, lui? Je crois qu'il est pas très content. J'ai du feu là-bas, là. Non, ça va, il survit. Bon. Oh mon dieu, c'est chaud. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Ok, ils ont pris le contrôle de lui, mais il devrait pas durer longtemps. Oh, le salaud, viens. Ok, il est mort. Je vais hacker leur truc. Oh. Où est-ce que je peux faire le max de dégâts? Comme ça, je peux faire 4, 8. Yeah! Gagné. Oh, j'unlock le. Un nouveau vaisseau. Oh, yes. Cool. Voilà, on a gagné. Ah, c'était sympa. Franchement, ça faisait longtemps que je l'ai pas. La dernière fois que j'avais détruit le vaisseau final, le boss, je sais plus avec quel vaisseau c'était. Je me demande si c'était pas avec le celui qui a l'artillerie. Mais ce qui était marrant, c'était que quand j'ai gagné, c'est-à-dire à cette dernière phase, j'ai détruit le vaisseau. Mais le vaisseau m'avait envoyé genre 3 missiles. Le vaisseau s'est détruit, ennemi. Puis après, j'ai reçu les 3 missiles. Et j'ai explosé moi-même. Ça fait qu'en fait, on était tous les deux morts. Mais j'ai quand même eu la victoire, ce qui est assez marrant. Stats 4727, mon deuxième meilleur score. Sachant que mon meilleur score, c'est avec le. Ouais, le. Celui-là, c'est mon préféré. Enfin, c'est un de mes préférés, le stealth. Il est marrant d'ailleurs, il faudra que je vous fasse un run dessus. Ok, bon bah menu. Donc maintenant j'ai débloqué deux trucs, j'ai débloqué le B. Donc je peux essayer de faire le B pour débloquer le C. Et j'ai débloqué le Mantis A. Donc je verrai ce que je fais. Oula, il est où? Le voilà. Lui j'ai bien envie de le tester aussi. Ce sera pour une prochaine fois. Bon, sur ce, je vous laisse. Vous pouvez quand même laisser des commentaires pour me dire ce que vous voulez voir. Même si peut-être que entre-temps j'aurais fait quelques autres vidéos, mais dites-moi ce que vous voulez surtout voir. Laissez un petit like si vous avez aimé. Et on se retrouve la prochaine fois. Et ciao, à plus!